Et bonjour à toutes les vierges qui vont passer par cette vidéo. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de mai 2024. Alors je vais vous expliquer comment va se passer la vidéo. Alors là, on est dans la première partie qui est un tirage général où on va faire un petit peu l'état des lieux de votre personne. Ok, je vous expliquerai au fur et à mesure à quoi correspondent les cartes. En deuxième partie, je vais faire un tirage sentimental et je ferai deux courtes vidéos en troisième et quatrième partie. Un tirage spécial pour les célibataires et un pour les couples. Voilà, je mets sous la vidéo le timing. Comme ça, bah, écoutez, vous regardez le ou les parties qui vous intéressent. Et puis, sinon, qu'est-ce que je vous ai à vous dire? Ben, j'espère que vous allez bien quand même, que vous êtes prêts pour ce printemps qui, pour le moment, ben, est encore un peu froid et pluvieux, mais j'espère que ça va s'améliorer. Voilà, donc c'est parti pour le tirage. Alors, ce tirage s'appelle la pyramide de l'être, donc vous allez voir pourquoi. Alors, première carte que nous avons là, elle représente vos aspirations les plus profondes. Donc vous aspirez au bonheur, ça c'est clair, 9 de coupe. Ça peut parler de votre spiritualité, ok, vous vous accrochez quand même à des choses positives. Vous n'êtes pas dans les idées noires, dans le dark, dans la remise en question. Franchement, vous vivez vos croyances telles qu'elles vous viennent. Je pense pas que vous soyez forcément influençable, mais en tout cas, vous êtes en accord avec ce que vous croyez et ça vous rend heureux. Vous exultez de bonheur. Donc franchement, pour ce domaine-là, je vous sens bien épanoui et bien à votre aise. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? J'ai le fou et j'ai le 6 de bâton. Ok, un nouveau départ. Vous avez une décision à prendre. Vous êtes en train de réfléchir à votre futur. Vous avez envie de maîtriser un domaine, de maîtriser un sujet, de vous professionnaliser, de perfectionner vos compétences. Voyez, vous êtes dans cette envie de vous dépasser, de surmonter les obstacles et vous avez envie de vous lancer parce que vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin de progresser. Vous n'avez pas peur de remettre en question tout ce que vous avez mis en place les semaines, les mois précédents. Ça ne vous retient pas. Et d'autant plus que vous avez cette notion de challenge où vous avez besoin de dépasser les épreuves et de vous donner toujours des nouveaux objectifs. Vous savez que vous êtes capable de tout. Vous êtes un travailleur acharné, les vierges. Donc, le travail nous ne vous fait pas peur, peut-être qu'une formation, ça ne vous fait pas peur non plus, de recommencer des études, peu importe, parce que vous voyez la victoire au bout. Donc vous savez que vous avez un objectif à atteindre, vous voulez l'atteindre et vous voulez vous lancer. Ok, peut-être que vous vous êtes déjà lancé ou que ce mois-ci, vous allez avoir le courage de dépasser vos peurs pour entamer ce nouveau chapitre. Alors, dans votre cœur, que se passe-t-il? On a le valet de bâton. On a de la passion, ok. Je vais dire de la passion innocente. Vous vibrez, vous aimez ça, vous vous posez pas trop de questions, vous ressentez vos émotions. J'ai le 6 de denier, le partage. Oh, ben vous avez quand même un tirage magnifique. Cette carte-là parle de votre. Vraiment, vous êtes quelqu'un de très généreux. Vous donnez. Et vous recevez, ok, mais vous n'avez pas peur de vous investir, vous n'avez pas peur de ressentir vos émotions, vous êtes en accord avec vous-même. Si vous avez quelque chose, vous le partagez, vous le donnez, vous aidez les autres. Très beau tirage. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impératrice. Ben dis donc, je peux vous dire que vous, les vierges, vous allez passer un sacré mois de mai parce que vous allez être en accord avec vous-même. Il y a, vous communiquez, vous exprimez vos émotions, vos sentiments. Vous vous investissez avec quelqu'un, avec les autres, avec votre amoureux, amoureuse, avec votre famille, dans votre métier passion. En tout cas, vous êtes comme un petit enfant qui découvre, qui aime, qui donne, qui s'investit, vous êtes à fond, vous voulez ressentir des émotions, vous voulez partager avec votre entourage, partager avec vos amis, partager avec votre amoureux, vous êtes vraiment dans l'expansion, vous êtes tourné vers les autres,
Vous avez une très très belle communication, une bonne assurance. Je pense qu'il y a un projet en vous, vous avez envie de quelque chose et vous allez vous battre pour l'obtenir parce que ça vous rend heureux. Ok. Alors, vos fondations, j'ai le repos, le 4 d'épée, la reine d'épée. Donc là, on est dans le mental. Pourquoi vous en êtes là? Parce que vous avez souffert. Ok. Vous avez subi des revers. Vous avez pris le temps d'analyser la situation. Peut-être que vous avez eu une longue maladie. Voyez, qui était peut-être plus, pas psychologique 100%, mais qui était liée à votre mental. Vous avez eu besoin d'analyser la situation, de la ressentir, de la comprendre et d'agir en conséquence. J'ai la reine de denier, vous avez deux reines. Alors, homme ou femme, ne vous inquiétez pas, c'est une énergie, hein. La reine, elle est dans la réception. Vous croyez à votre prospérité. Vous croyez au coup de chance. Vous subissez des revers de médaille, c'est pas grave, vous avez confiance dans votre destin. Vous avez confiance dans vos intuitions. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai le 10 de bâton qui me parle d'un fardeau lourd à porter, d'un combat que vous avez mené pour votre bonheur. Je veux dire, ce que vous avez là, voilà, cette joie, cette envie d'aimer, cette envie de partager, cette envie de faire des rencontres, cette envie de vous éclater avec quelqu'un, cette envie de progresser, c'est parce que vous vous êtes battu pour l'avoir. Vous avez confiance en vous ce mois-ci. Vous, je sais pas si vous avez eu des moments de doute ce mois-ci. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous êtes à deux doigts de lâcher un fardeau, je pense, émotionnel, qui vous pesait, qui vous empêchait d'être totalement heureux. Et là, grâce à cette reine d'épée, vous prenez du recul, vous ressentez vos émotions et vous agissez en conséquence. Vous prenez des décisions. En conséquence, vous vous battez peut-être aussi pour votre prospérité, votre bien-être matériel. Vous l'avez peut-être mis de côté jusqu'à maintenant. Pour vous, ce n'était pas essentiel. Et j'ai l'impression que là, ça va quand même faire partie de vos priorités. Vous vous battez, voilà, vous donnez, mais vous avez aussi besoin de récolter le fruit de votre travail. Le 6 de denier, c'est un échange. Et la reine de denier, elle est dans l'accomplissement. Elle sait exactement ce dont elle a besoin. Vous n'êtes pas dans des désirs surdimensionnés, au-delà de vos moyens, au-delà de vos compétences et plus que ce que vous n'avez. Vous savez ce dont vous avez besoin et vous allez vous battre pour l'obtenir. Pour moi, vous allez l'obtenir. Parce que vous avez une grande force intérieure. Donc franchement, bravo les Vierges, vous vivez un très très beau mois de mai. En tout cas, vous êtes alignés avec vos désirs, avec vos pensées. C'est bien, c'est bien. Vous allez voir que vous allez passer un très beau mois de mai parce que vous allez faire ce dont vous avez envie. Ok. Alors, je vais vous faire un tirage. Tiens, je vais prendre celui-là. Tirage sentimental. Alors, je vais faire un petit tirage en croix pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors, je me concentre sur vous, les Vierges. Vierge, tirage sentimental. Pour le mois de mai. Ok. Alors, première carte, ça va être vous. Comment vous vous sentez? Inatteignable, indéfectible, inattaquable. Vous êtes dans votre bulle de protection. Vous faites exactement tout ce qu'il faut pour vous sentir apaisé, pour vous sentir bien, pour prendre les bonnes décisions, pour agir pour votre bien-être. Attention à pas trop vous couper du monde. Mais en tout cas, vous essayez de vous recentrer, de vous raligner, vous aligner et faire vraiment ce qui vous rend heureux ou heureuse. Ok. Quel va être votre défi. Le lâcher prise, la confiance en l'univers,
aux messages que vous pouvez avoir, aux surprises. Peut-être que là, vous êtes, voyez, vous êtes dans la maîtrise. Bulle de protection, on se protège, c'est très bien. On se protège des agressions extérieures, ok. Mais ça empêche peut-être de s'ouvrir à l'extérieur. Et là, votre défi, ça va être vraiment d'accepter les surprises. Peut-être que vous avez toujours peur qu'elles soient mauvaises. Et bien, du coup, vous préférez ne pas en avoir plutôt que d'en avoir des mauvaises. Là, votre défi du mois, ça va être accepter les surprises, accepter les nouvelles rencontres, accepter les opportunités qui se présentent à vous. Ça pourrait être par exemple quelqu'un qui vous demande de faire quelque chose de complètement dingue, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être s'engager réellement avec la personne de votre cœur. Vous voyez, c'est vraiment là votre défi, ça va être de sortir un petit peu du contrôle, parce que là vous contrôlez pour votre bien-être, pour vous protéger, mais du coup il n'y a rien qui rentre. Voyez, là vous avez tous les bâtons qui sont là, les opportunités qui se présentent à vous, et ben vous les bloquez, mais bon, là vous êtes rassuré parce qu'il ne se passe rien de grave, et en même temps, ben du coup il ne se passe rien. Voilà. Alors, l'influence du passé, pourquoi vous en êtes à vous protéger comme ça, à vous surprotéger? J'ai le 7 de denier, des projets qui ne se sont peut-être pas forcément concrétisés, beaucoup d'opportunités dans votre vie qui se sont soldées par des échecs. Et du coup, ben, ça vous a un petit peu refroidi. Vous étiez dans l'espérance que ça pousse, dans l'espérance d'obtenir le résultat escompté, et ce n'est pas forcément ce que vous aviez souhaité. Ok. Donc, il y a eu des opportunités dans votre vie sentimentale, il y a eu des rencontres, il y a eu des demandes en mariage, il y a peut-être eu des enfants, il y a eu. Mais ça n'a pas abouti comme vous le souhaitiez. Donc, du coup, maintenant, déception sur déception, vous décidez de vous protéger. Le défi, bien, vous dit, essayez de ne pas tout dramatiser, de croire. Parce que le 8 de bâton vous dit aussi que vous avez des opportunités qui sont mises sur votre chemin, qui sont bonnes pour vous. Ce que vous avez vécu, bon, écoutez, c'est votre passé, bon ou pas bon. Maintenant, il faut le digérer et accepter les surprises de la vie. Si vous voulez croire encore en l'amour, si vous voulez encore vivre des choses agréables qui font palpiter votre petit cœur, il faut accepter les surprises et accepter de ne pas savoir ce qu'elles nous réservent. Ok, alors, et l'influence du futur, qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton nous parle vraiment de jeunesse et de passion. Ça veut dire que vous allez lâcher un peu, vous lâchez la grappe, vous lâchez la pression et vivre au jour le jour, du mieux que vous pouvez. Sortir du contrôle. Vous arrivez à sortir de ce contrôle, vous arrivez à exulter et vous arrivez à vous passionner et à vous laisser aller. Le 8 des bâtons, ça peut être aussi la carte du lâcher-prise. Vous laissez venir les événements à vous. Vous avez confiance en votre avenir, en votre ange gardien, en votre je sais pas quoi. En tout cas, vous avez confiance. Ok. Alors, votre but. Le but de votre âme, vos aspirations, vous voyez pour ce mois-ci, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Ouh, l'accomplissement, le monde, la réussite totale. Vous souhaitez tout simplement achever un cycle. Si par exemple vous êtes en couple et que vous voulez vous marier, eh bien vous serez prêt à vous marier, prêt à avoir un enfant, prêt à vous engager, prêt à faire une rencontre. On est dans l'accomplissement avec le monde. Donc on est dans une fin de cycle. On a passé toutes les étapes de peine, de tristesse, de joie, de peur, etc. Et on est prêt à engager, à entamer un nouveau cycle, à se lancer dans une nouvelle aventure grâce au fou. Donc là, votre but, là maintenant, c'est de vous laisser aller et d'accepter de passer à l'étape supérieure, d'accomplir un cycle. Sortir peut-être de la dépression, sortir du défaitisme pour vous relancer dans la course de l'amour. Peut-être
accepter une demande en mariage, accepter de faire un enfant. Voyez, c'est vraiment là de vous dépasser, de passer à l'étape suivante. Ok. Alors, comment arriver à votre but? Qu'est-ce qui va vous aider? On a le 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, on pourrait dire que c'est une carte pas très positive. Mais là, elle vient vous aider. Donc là, on va être dans les pensées. Les épées, c'est des pensées claires. Acceptez votre passé. Acceptez vos défaites. Ne vous laissez pas dépasser par les doutes et les peurs. Ne laissez pas votre passé vous empêcher d'avoir droit au bonheur maintenant. Ne laissez pas les autres envahir votre territoire, vos pensées, vous créer des doutes. Ne vous faites juste vous confiance, ayez confiance en vous. Je vais arriver à faire une phrase correcte. Ayez confiance en vous, en votre capacité d'analyse et croyez en votre bonheur. C'est ça qu'elle vous dit, cette carte. N'ayez pas peur. Ok, alors maintenant, comment vous vous percevez ce mois-ci? Ok, comment vous vous sentez? Comment vous vous voyez? 4 de deniers. On est dans la même énergie que cette 7 de bâton. Voyez, on est sur la réserve. Comment vous voyez? Peut-être comme quelqu'un de renfermé, que d'inabordable, d'être coupé un petit peu du monde, d'être un petit peu en retrait de la vie. De ne pas être la personne la plus attirante du monde ou attirant du monde, pas celle qu'on vient voir en premier. Ça, c'est ce que c'est comment vous vous percevez. C'est pas forcément la réalité. Là, pour l'instant, vous êtes sur la réserve parce que vous avez peut-être peur de vous réengager, peur de vous ouvrir plus, peur de vous confier. Ok. Comment votre entourage vous voit? Comme quelqu'un de très généreux, avec qui on a envie de partager. Donc vous restez sur vos acquis, vous avez l'impression de ne pas être la personne vers qui on a envie de se tourner, alors que votre entourage, les personnes qui comptent pour vous, pour qui vous comptez, vous voient comme quelqu'un de très généreux, quelqu'un à qui on peut demander de l'aide, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui peut les aider, qui est toujours là quand il faut. C'est pas forcément les aider avec de l'argent, hein. C'est les aider avec des solutions concrètes. Ok. Alors, un événement qui pourrait être important dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que j'ai? Le 9 d'épée. Des doutes qui pourraient vous assaillir. Une personne qui pourrait vous faire douter. L'impression d'être bloqué. Peut-être qu'il y aura des périodes de doute et de peur ce mois-ci parce que vous aurez, je pense, vous avez envie de changer votre mode de fonctionnement, vous aurez envie de passer, de franchir une étape, de franchir un cap et vous allez avoir peur, vous allez avoir des moments de doute. Ça ne va pas se faire tout seul. Mais ayez confiance en vous parce que vous allez finir par vous en sortir, vous allez finir par avoir assez confiance pour vous lancer parce que vous avez ce valet de bâton qui lui ne réfléchit pas, se lance et ne pense pas aux conséquences de ses actes, ne pense pas au lendemain. Alors, la synthèse du tirage. Et j'ai cette grande prêtresse qui nous parle vraiment d'apprentissage. Vous êtes en train de mieux vous comprendre, de mieux comprendre votre façon de fonctionner en amour, de mieux ressentir vos émotions, d'être plus en adéquation avec votre cœur, vos tripes, vos ressentis. Donc c'est un mois d'apprentissage pour moi et un mois où vous allez être poussé à sortir de vos retranchements parce que sinon, vous allez vous sentir triste et seul. Et vous allez avoir besoin de vous ouvrir aux autres parce que vous êtes en train de clore ce cycle, peut-être de protection, c'était une fin de cycle. Maintenant, vous êtes en train de franchir une nouvelle étape dans votre vie sentimentale et vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure. Peut-être que vous avez une décision à prendre, que vous avez peur de prendre ou que vous repoussez l'échéance et là, vous allez être poussé dans vos retranchements, poussé à prendre cette décision. Voilà. Mes petites vierges pour le mois de mai dans votre vie sentimentale. Ok. Alors, maintenant, on va faire un tirage pour
les célibataires. Alors, je vais mélanger deux jeux que je trouve qui vont tellement bien ensemble que je vais continuer avec cela pour les célibataires. Alors, je vais vous prendre une carte de cet oracle. Les vierges célibataires. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On a touché du doigt dans le tirage précédent à la possibilité de faire une rencontre. Et ça se confirme dans ce tirage-là, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ok. Quelqu'un qui va créer de l'émotion, qui va éveiller des sentiments que vous avez peut-être enfouis depuis longtemps. Ok. On les voit pas bien là, il fait un peu sombre aujourd'hui. Alors, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors... Pour les vierges, qu'est-ce que j'ai? Là, le roi d'épée. Le pragmatisme face à vos émotions, face à votre cœur. Vous n'allez quand même pas vous laisser emporter aussi facilement. Ok. Vous allez scruter la situation. Vous allez essayer de comprendre le fonctionnement de votre cœur, de votre tête, de la personne qui est en face. Il y a un crush. Ça, c'est indéniable. Il y a votre cœur qui palpite, mais vous ne vous lancez pas comme ça, tête bêche, dans cette nouvelle aventure. Vous prenez un temps de pause et un temps d'analyse. Ok. On a la papesse. Ça, c'est l'expérience qui parle. Vous avez vécu des histoires, vous avez vécu des aventures. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, bulle de protection, attention à ce que la carapace soit pas trop épaisse. Parce que là, vous allez vous servir de vos expériences passées. Si vous vous en servez de façon positive pour ne pas commettre les mêmes erreurs, c'est très bien. Si vous restez sur des échecs passés et que vous partez de façon défaitiste, c'est moins bien parce que vous risqueriez de faire passer cette histoire qui pourrait quand même se solder par une réussite. Alors, j'ai le diable. La passion va être plus forte que la tête. Bon, bah c'est très bien. Le diable, il nous parle de vraiment de votre corps. On parle aussi d'addiction. Peut-être que vous avez peur, justement, avec cette papesse, de tomber dans vos... je sais pas, de la dépendance amoureuse, affective, de ne pas réussir à surmonter votre cœur, de vous laisser emporter trop vite. Mais vous avez ce roi d'épée. Le roi d'épée, bon, ça va, il est assez mûr, assez pragmatique pour savoir ce qui est bon pour lui ou pas. Le côté positif du diable, c'est la luxure. Bon, je mets ça pour grossir les traits, mais ça veut dire que votre appel physique va être plus fort que votre tête. En tout cas, ça va se mettre en balance. Vous allez avoir envie d'écouter vos pulsions, vous allez avoir envie d'exulter, d'écouter votre corps, de laisser parler votre corps et de mettre un petit peu votre tête de côté. Vous voyez, cette papesse, elle fait la jonction entre le roi d'épée qui est pragmatique, qui prend des décisions avec son mental, et ce diable qui se laisse aller à s'éclater sans se poser de questions. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez suffisamment d'expérience, suffisamment d'intelligence et de ressenti pour pas partir en cacahuète. Vous allez justement trouver un juste équilibre et vous laisser aller, peut-être à laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. En tout cas, cette rencontre, elle est là et ça va être quand même un petit peu une dualité en vous, à savoir si vous... vous éclatez, vous ne vous posez pas de questions, ou si vous suranalysez, et auquel cas vous risqueriez de tout bloquer. Voilà, mais c'est intéressant parce que le cœur qui palpite, ça fait toujours plaisir. Ok, alors maintenant on va passer pour les couples. Les vierges qui sont en couple. Les vierges qui sont en couple. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez.
Ben écoutez, ça veut dire que là, il y a peut-être un engagement pour vous, les vierges. Vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes maintenant, c'est vraiment la personne de votre vie. C'est votre âme sœur. C'est celle avec qui vous passez, vous voulez passer le reste de votre vie. Il y a eu peut-être, bah, comme tout le monde, des moments de doute, des moments de creux, des remises en question. Le partenaire que vous avez, c'est celui-là le bon, c'est celui qui est fait pour vous, c'est celui qui vous rend heureux, heureuse. Ok, pourquoi vous avez des doutes? Pourquoi vous vous posez la question? Alors. Ah. Alors, on parle de choix avec le 7 de coupe, de choix multiples. Peut-être qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, une personne du passé qui vous a fait douter. Alors, maintenant, cette carte peut être à double sens. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire que vous recherchez. Non, vous êtes déjà avec la bonne personne. En fait, il y a quelqu'un. Souvent, quand on est en couple, il y a des personnes, des ex, des personnes du passé qui remontent à la surface et qui viennent vous faire douter. Bah, le bonheur des autres, ça fait chier les autres, hein, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça pour beaucoup. C'est une frustration que de voir ses ex heureux ou heureuses. Et du coup, il y a eu quelqu'un qui a foutu un petit peu des doutes dans votre tête. Mais je ne suis pas sûre que vous vous laissiez aller à la tentation. Et on a la papesse qui nous parle quand même d'expérience, de connaissance, de ne pas se laisser emporter par les émotions comme ça, de ne pas se laisser dépasser et surtout d'avoir un savoir, de savoir exactement ce qui est bon pour vous. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et j'ai le 6 de denier. Et on est encore une fois dans le partage, dans le bonheur partagé avec les autres. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et maintenant, vous voulez profiter de votre bonheur. Il y a peut-être eu des moments de doute, des moments de peur, des choix à faire qui n'ont pas forcément été faciles, mais l'expérience, votre assurance fait que maintenant, vous allez exulter, vous allez profiter de ce mois de mai et vous allez en faire profiter votre entourage, vos enfants, votre famille, votre bonheur, si vous voulez, va transpirer sur tout votre entourage. Donc, ne vous prenez pas la tête si vous êtes dans un moment de doute et de peur. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la certitude que vous êtes avec la bonne personne. Voilà mes petites vierges, je vous souhaite un très beau mois de mai et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao!